Et on est parti direction le manoir. Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTop et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie sur le let's play du Professeur Layton et l'étrange village sur Nintendo DS. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé notre aventure à Saint-Mystère, là où on doit chercher une pomme d'or, voilà, où si on trouve cette pomme d'or, on aura l'immense fortune donc, de ce cher Baron Reynolds, qui est décédé d'ici là. La veuve donc, de ce cher Augustus Reynolds nous a invités donc, dans son manoir, et on va s'y rendre tout de suite. Mais avant ça, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait l'énigme 1, 2, 3, 4 et 6, on n'avait pas fait l'énigme numéro 5. Je me suis renseigné, l'énigme numéro 5 se trouve sur cette horloge. Voilà, je ne l'ai pas vu la réponse ni rien, je veux vraiment le découvrir, c'est juste que je voulais savoir où était cette énigme. Énigme 5, contre la montre, pour 50 picaras. En plus c'est pour 50 picaras, donc ça va être une énigme quand même très difficile. Merci. Une horloge à aiguille standard est composée d'une aiguille pour les heures et d'une aiguille plus longue et plus rapide pour les minutes. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure, combien de fois l'aiguille des heures dépasse-t-elle l'aiguille... Combien de fois l'aiguille des minutes, pardon, dépasse-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas toucher. Hein. Alors, réfléchissons. En supposant que cette horloge soit parfaitement à l'heure, donc là il est midi, combien de fois l'aiguille des minutes dépassera-t-elle l'aiguille des heures entre midi et minuit? Donc là il est midi, ou minuit, qu'importe. Et donc en 12 heures, combien de fois l'horloge va-t-elle dépasser l'aiguille? Alors on va compter. Donc l'aiguille, donc elle est midi. Donc là, elle l'a pas encore dépassé. Donc ce qui fait que l'aiguille sera doublée donc à 13h05. Excusez-moi pour mon écriture, parce que là, je joue avec la souris. Hein. Donc à 13h05, elle le passera également à 14h10. Voilà, 14h10. On peut continuer, donc elle le passera également à 15h15. Voilà, on va faire là ici, hein, 15h15. Donc là ici, elle le passera là à 16h20. 17h25, 18h30, 19h35, 20h40, 21h45, 22h50, 23h05. Et est-ce que je compte la dernière du coup? Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 si on compte minuit. Combien de fois l'aiguille des minutes dépassera-t-elle l'aiguille des heures? Ouais, donc je dirais 12 fois. Donc là, il suffit juste d'écrire la réponse et de valider. Donc moi, je dirais 12 fois ou 11 si le minuit n'est pas compté. Ok, ce n'est pas 12 fois. Bon. Si vous essayez qu'une vraie horloge, la réponse devrait être évidente. Mais avant tout, réfléchissez à la question. Putain, je vais y arriver. Après, je joue pour 45 picaras. Donc ce serait 11 fois alors si je compte pas minuit. On va dire 11 fois. Si c'est pas ça, je comprends plus. Non, c'est pas ça non plus. Alors attendez. Attendez, il y a un souci les gars. Ça y est, j'ai déjà mal au crâne. On vient à peine de commencer l'épisode, j'ai déjà mal au crâne. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Ah, puis je vais pas utiliser des pièces maintenant, on est qu'au début du jeu. Ouais. Et encore. Peut-être que 10 si on compte pas le premier. Oh, j'ai mal à la tête. Attendez, on va répondre 10, on verra bien. C'est pas 13 à l'heure plutôt? Bon, de toute façon, ça doit être dans le truc. Ouais, c'était 10 en fait. Ah là 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 là. Je l'ai mis un trop. Alors vas-y, explique-moi la réponse. Bonne réponse, l'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures 10 fois. En y réfléchissant bien, la réponse est évidente, mais il est possible que vous soyez laissé piéger par la question. L'aiguille des minutes dépasse l'aiguille des heures une fois par heure. Mais étant donné qu'elle commence et termine le problème l'une sur l'autre, on ne peut pas réellement considérer que la petite aiguille a été dépassée. Ouais, c'est ça en fait, ils n'ont pas compté ni le midi ni minuit. Donc c'est bien ça, c'était bien 12, moins 1, moins 1. C'était bien ça. Donc c'était bien 10 fois.
Parce qu'on comptait pas le midi, le départ, ni le minuit, le la fin. Je me suis laissé fait avoir. Voilà la réponse que j'attendais. Excellent travail, mon garçon. Bon, allez, maintenant, on va pouvoir aller dans ce fameux manoir, là, qui nous attend depuis longtemps. Oh, bonjour, monsieur. Messieurs, aurez-vous l'amabilité de vous présenter ? Je m'appelle Layton, et voici mon assistant. Nous avons été invités au manoir Reynolds. Ah oui, bien sûr. Nous attendons tous le célèbre professeur Layton, n'est-ce pas ? Toutefois, vous comprendrez que votre parole ne me suffit pas, n'est-ce pas ? On ne peut plus faire confiance à personne de nos jours, vous savez ? Après tout, vous pourriez bien n'être qu'un criminel de bas étage coiffé d'un haut de forme. Alors, comment comptez-vous me prouver que vous êtes vraiment le professeur Layton ? Non, mais vous entendez ça ? Pour qui il se prend, celui-là ? Vous n'allez quand même pas laisser passer ça ? Du calme, Luc, du calme. Si j'ai bien compris, monsieur, vous souhaitez me tester pour vérifier mon identité. Exactement, professeur. J'aimerais que vous résolviez cette énigme pour moi, n'est-ce pas ? Énigme 7, la traversée, première partie. Oui, car des fois, il y aura aussi des énigmes qui... Comment je peux expliquer ça ? Des énigmes qui se répéteront les uns à la suite des autres. Vous devez amener les trois loups et les trois poussins sur l'autre rive. Attention à bien respecter les règles suivantes. Le radeau ne peut accueillir plus de deux animaux. Vous ne pouvez déplacer le radeau s'il est vide. S'il y a plus de loups que de poussins sur l'une des rives, les loups mangeront les pauvres volatiles sans défense et il vous faudra recommencer depuis le début. Vous n'avez pas de limite de déplacement, mais il est possible de résoudre cette énigme en 11 déplacements. Alors attends, je peux déplacer le radeau. Le radeau ne peut pas accueillir plus de deux animaux, donc je peux mettre que deux animaux sur le radeau. Je ne peux pas dépasser le radeau s'il est vide. S'il y a plus de loups que de poussins sur une dérive, les loups mangeront les poussins. D'accord, donc je ne peux pas laisser, par exemple, deux loups et un poussin. Ça n'ira pas. Ok, alors ce qu'on va faire pour commencer... Ouais, j'ai déjà vu un peu ce genre d'énigme. Il faut que je me rappelle de la soluce. Alors attendez, bougez pas. Je vais commencer par prendre un loup, un poussin. Comment je décale le bateau ? Mince. Ah voilà, merci. Voilà, donc là, je l'emmène comme ça. Ensuite, ce que je peux faire, c'est mettre le loup là. Tu décales. Voilà, ça fait deux. Ah bah oui, mais les loups vont manger les poussins. On recommence. Alors, on va prendre le loup, le poussin. On décale. Ensuite, je prends le poussin. Je le décale. Vas-y, décale. Ok. Ensuite, je prends qui ? Je vais prendre un loup, un poussin. Ah oui, mais non, en fait, ils descendent directement. Oui, non, attendez. Alors, attendez, un loup, un poussin, tu t'en vas. Ensuite, je prends le poussin, il va de l'autre côté. Ensuite, je peux prendre les deux loups. Je vais prendre les deux loups ne feront rien. Ok. Ensuite, je prends quoi ? Je prends un loup. Le loup, il dégage. Après, je prends les deux poussins. Les deux poussins dégagent. Attendez, je vais être un peu paumé là. Parce que là, le problème, c'est que si je prends un seul poussin, le poussin du côté droit va se rebouffer. Si je prends un loup, le poussin va se rebouffer de l'autre côté. Alors, attendez, je vais prendre un loup, un poussin. Ah, ça me paraît pas mal, là, non ? Je prends les deux poussins. Voilà, je prends les deux poussins, passe de l'autre côté. Ah, ça me paraît bon, ça. Ensuite, je prends juste un loup. Vas-y, dégage-le. Tac. Ensuite, je prends deux loups. Les deux loups passent de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je prends un poussin. Eh bien, on est bon, regardez. Je prends un poussin, je le fous là. Et ensuite, je prends le loup et le poussin et je l'emmène là-bas. Voilà! Et en plus, je l'ai fait ça en 11 déplacements. C'était le minimum qu'on pouvait faire. Très bien! Parfait. Ah, une bonne énigme de fait. Beau travail! Cette énigme peut être résolue en 11 déplacements. Combien en avez-vous fait? Il existe de nombreuses variations de ce problème. On a retrouvé de telles énigmes dans des écrits vieux de plus de 10 000 ans. Et bien, je l'ai fait en 11 déplacements. Nickel.
Veuillez me pardonner de vous avoir manqué de respect. Je vais vous conduire au manoir. Tout le monde vous attend. Tout le monde ? Je pensais que la baronne serait la seule à m'attendre. Par ici, je vous prie. Le manoir est vraiment gigantesque. Oui, je vois ça. Vas-y, prends le bateau. C'est ça, le manoir, professeur ? Il est gigantesque ! Non mais regardez la taille de cette maison ! On dirait que nous sommes arrivés au bon endroit. Chapitre 1, le manoir Reynold. Rendez-vous au manoir Reynold à l'est du village. C'est fait. Luc et le professeur sont finalement arrivés au manoir Reynold. Entrons. Oui, professeur. Il n'y aurait pas une petite pièce dans les arbres ou dans les fenêtres ? Si, gagné. Ouais, si on peut quand même ramasser des trucs, ce serait bien, n'empêche. Hein. Bienvenue au manoir Reynold. Merci d'avoir fait le déplacement. Je suis Matthew, le majordome de la famille Reynold. On vous attend dans le salon, si vous voulez bien monter. Oh, encore une petite chose. Madame la baronne m'a demandé de vous soumettre cette énigme. Je vous prie de ne pas vous en offusquer. Madame a parfois des idées étranges. Oui, donc ça c'est pour déplacer les allumettes. Oui, parce qu'on va devoir déplacer certains trucs, hein, évidemment. Énigme 9, paf, le chien. Les allumettes ci-dessous représentent un chien. Cette pauvre créature sans défense était en train de traverser la route quand un conducteur un peu scrupuleux l'a écrasé. Déplacez deux allumettes afin de représenter le chien après l'accident. Dans cette énigme, tout est question de perspective. Il est inutile d'essayer de représenter le chien de profil. Donc je pense là évidemment déjà avoir compris. Je vous laisse un petit peu chercher et après je vous donnerai la solution. Je pense que j'ai la solution. Hein. Donc là vous avez le petit chien tranquille là qui est sur ses quatre pattes et malheureusement le pauvre petit toutou bah, il s'est fait écraser, le pauvre petit chien. Comment le faire en sorte qu'il, qu'il soit complètement écrasé ? Sachant qu'on ne peut déplacer que deux allumettes. Hein. Alors moi je pense que la solution, voilà, c'est de prendre cette allumette-ci. On va la tourner. Comme ceci, on va la placer là, voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Non, décale non, faut décaler l'allumette, voilà. Comme ceci, et je vais la... Non, c'est ça, non, c'est ça, donne-moi cette... Mais non, donne-moi l'autre allumette, voilà. Et je le mettrai comme ceci. Voilà, là, ça fait un chien, le pauvre petit chien qui a les pattes complètement... Je crois que c'est ça. Hein. Non, c'est pas ça. Merde, j'y ai cru. Comme le chien s'est fait renverser par la voiture, il n'est probablement plus en état de marcher. Ouais, bah je pensais justement qu'en mettant les pattes... Mais en fait, c'est qu'il a plus de pattes arrière, quoi, si je fais ça. Si je fais ça, il a plus de pattes arrière, le pauvre. Moi, je pensais qu'en mettant les deux pattes en haut, ça passait. Alors, si c'est pas ça... C'est quoi alors si c'est pas ça? Alors c'est la même chose, mais il faut que je mette les allumettes en haut alors dans ce cas-là. Faut que j'en mette une ici. Et l'autre là, dans ce cas-là. C'est comme ça alors. Voilà, et là le pauvre toutou il a les pattes, je crois que c'est ça. There we go. Ouais, c'est comme ça, voilà. Je m'étais trompé, en fait j'avais pas pris les... Fallait juste que je prenne un morceau de la pâte. La voiture a aplati le pauvre chien. Il faut toujours être attentif quand on conduit. Ouais, très attentif même. Oh, le pauvre petit toutou. C'est parfaitement exact. Toutes mes félicitations. Je vous prie à nouveau de pardonner l'étrangeté de cette demande. Allez-y, je vous prie. Il vaut mieux ne pas trop faire attendre madame. Par contre, je crois qu'on a encore loupé une énigme, les gars. On va vérifier ça, mais... Ouais, c'est ça, hein. Énigme faite 8. Ouais, c'est ça, on a pas fait l'énigme 8. Ma mère, elle était où l'énigme 8 ? Au niveau du journal... Non, c'est pas ça, c'était au niveau des mystères. Mais on a rien de plus, hein, y a pas l'icône nouveau, hein, non.
On est d'accord. Mais attendez, ça m'étonne qu'on n'a pas fait l'énigme 8. Elle est où l'énigme 8? Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Le baron devait être fier aux lectures. À propos, Lou, veux-tu essayer de résoudre cette énigme? Énigme 10, équation mystère. Non, c'est toujours pas l'énigme 8, mais c'est pas grave. Alors, A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Les équations suivantes sont toutes vraies. A plus C égale D. A fois B égale C. C moins B égale B. A fois 4 égale D. Trouvez les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devra comporter les 4 chiffres dans l'ordre A, B, C et D. Alors, elles sont toutes à un chiffre. Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que A vaut soit 0, soit 1, soit 2 déjà. Ça, on peut être sûr. Sachant qu'il y a un C à côté. Donc déjà, le A, il ne vaut pas 0. Il vaut 1 ou 2. Ça, déjà, c'est sûr. Alors, imaginons, on peut écrire, oui. Imaginons que A vale 1. A plus C égale D. Alors par contre, je ne sais pas. Oui, donc on va plutôt prendre celui-là. Donc A fois 4 égale 4. Donc imaginons que D vale 4. C vaudrait 3. Donc là, pour l'instant, ça suit le cours, puisque 1 plus 3 vaudrait 4. A fois B égale C. Donc ce qui veut dire que B vaudrait 3 également, si je suis ma logique. Puisque 1 fois 3 égale 3. Ok, on suit. Par contre, là, ça ne va plus, puisque là, ça ferait 3 moins 3 égale 3. Donc là, ça ne va pas. Là, il y a un problème. Et le dernier, donc 1 fois 4 égale 4. Donc ça, c'est bon. En revanche, le B, là, il ne va pas. Donc du coup, il y a un problème. Alors, imaginons que A vaut 2. 2 fois 4 égale 8. Donc D vaut 8. Ok. A plus C égale D. Donc A plus C, donc on va dire que C donc, vaut 6. Dans ce cas-là, donc A plus C, donc 2 plus 6 égale 8. 2 fois 4 égale 8. Ça, on est bon. A fois B égale C. Donc ça ferait 2 fois 3. Je pense qu'on est bon là. 2 fois 3 égale 6. Donc on est bon. Et enfin, le dernier, ça ferait 6 moins 3 égale 3. Donc là, on est bon. Donc ça ferait 2368. Alors, 2368. Et normalement, on est bon. On est bon, parfait. Bonne réponse. Bonne réponse. A, B, C, D égale 2368. Étant donné que A plus C et que A fois 4 sont tous les deux égaux à D, alors C doit être égal à 3A. Si C moins B égale B, alors C doit être égal à 2B. Le seul chiffre divisible à la fois par 2 et par 3 est 6. Une fois que l'on sait que C égale 6, le reste doit couler de source. En plus, je vous ai même fait l'explication, hein. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc? J'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. Oui, ben oui, on peut dire, hein, si tu veux. Ce lustre diffuse une lumière douce et agréable. Professeur, regardez les tableaux sur le mur. Quel superbe portrait! Je pense qu'il s'agit du baron Augustus Reynolds. Mais, et ce portrait, professeur? Qui peut bien être cette jeune fille? Les deux portraits sont côte à côte. Il est donc fort possible que ces deux personnes soient de la même famille. Il s'agit certainement de la fille du baron. Absolument, monsieur. Il s'agit du portrait de Flora, la fille du baron Augustus Reynolds. Pardonnez mon audace, mais j'ai remarqué que vous étiez amateur d'art. Voulez-vous prendre ce vieux cadre? Il contenait un tableau magnifique. Cependant, il n'en reste que ce petit morceau. L'option tableau est maintenant disponible dans la valise. Vous pouvez assembler les morceaux de tableau de manière à le reconstituer. Pour les assembler, ouvrez la valise en le touchant puis touchez l'icône du tableau. C'est donc un morceau de ce vieux tableau? Intéressant. Merci beaucoup. Par contre, oui, il me manque toujours cette fameuse énigme 8. Là, j'aimerais savoir où elle se cache, cette énigme 8. Où est-il? Ah, une petite pièce, moi je prends. Ça m'étonne que je n'ai pas trouvé l'énigme 8, hein. Attends, il doit être dans le coin. Si on revient un tout petit peu en arrière pour voir. Elle doit être là, l'énigme 8. Oh bah tiens, encore une pièce. Parce qu'on a fait l'énigme 7 juste là, donc l'énigme 8 doit être dans le coin. Non? Oh, très étrange ça.
Ah ouais, impossible de mettre la main sur cette énigme 8. Oh, c'est trop bizarre. Ok, bon, j'ai dû la rater. Bon, c'est pas grave, tant pis. On va avancer quand même, hein, parce que sinon, on va rester 2 heures sur cette énigme, enfin, sur ce chemin-là. Ah, trop bizarre, je pensais. Ouais. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, on va les retrouver, hein. Si on manque des énigmes, c'est pas très grave, hein. On peut les retrouver facilement. Vous verrez vers la fin du jeu. Enfin, ou même pas vers la fin, vers la moitié du jeu, vous verrez. Professor Layton, I presume. It's an honor to make your acquaintance. Oh no, the pleasure's all mine. No! Look! No! Come back, sweetie! C'est un désastre! Pourquoi suis-je entouré d'incompétents? Quel est le problème? Oh, c'est affreux! Mon trésor! Mon bébé d'amour! Ma petite Claudia! Votre petite Claudia? Ma douce Claudia! Ma petite puce! Mon canard en sucre! Mon bébé! Mathieu! Mathieu! Vous devez être le célèbre professeur Layton. Je m'appelle Gordon. Augustus était mon frère. Je suis un de ceux qui ont décidé de faire appel à vous. Je me ferai un plaisir de vous exposer la situation, mais pour l'heure, il vaut mieux obéir à Dahlia. On va d'abord parler un petit peu à tout le monde. Je m'appelle Rupert. Je suis le neveu du baron. Mon père est le frère de Gordon, ici présent. Ou plutôt, était. Il n'est plus de ce monde aujourd'hui, vous voyez. Enfin, bref. Alors, vous êtes le célèbre professeur Layton? Je vous imaginais plus digne. Peu importe, j'ai une petite énigme à vous proposer si cela vous intéresse. Connaissant vos capacités, elle ne vous devrait poser aucun problème. Si vous êtes à la hauteur de votre réputation, ce sera un jeu d'enfant pour vous. Énigme 11, un peu de géométrie. Comme le montre le schéma ci-dessous, vous disposez d'un quart de cercle. À l'intérieur se trouve un rectangle ABCD, dont le point D se trouve sur le cercle. Le point B est de plus le centre du cercle. Quelle est la longueur du segment AC qui se trouve juste là? Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de cours de géométrie, les gars, je vous le dis tout de suite. Alors, sachant que A et D vaut 5 cm. Oh, ça aurait le fameux théorème de Pythagore ou un truc du genre, je sais plus. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths, les gars, je vous le dis tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de maths. On a juste les 5 cm de B et C, quoi, c'est tout. Alors, sachant qu'on a un angle droit, oh là là, attendez, ça fait longtemps, putain, ça fait longtemps. Ah, attendez, déjà le rayon fait 10. Bah, en fait, quand on voit un peu le truc, on se dit déjà, bon, le rayon du cercle fait 10. Donc quand on voit combien fait AC, AC, sachant que DC c'est ça. Le point D est sur le cercle. Donc si déjà le point D est sur le cercle, déjà entre B et D, il y a déjà 10 cm. Déjà ça c'est certain. Entre D et C, il y a 10. Donc si entre D et C, il y a 10, combien il y a entre A et C? Bah, non, il n'y a pas 15, mais non, c'est pas ça, c'est pas logique. Il y aurait quoi, 10 ou 11? Peut-être 10, 11? 10 peut-être. Entre B et D, il y a 10. Ça, c'est sûr. Entre B et D, il y a 10. Donc, si entre B et D, il y a 10. B et D, il y a 10. Là, il y a 5. Bah, si entre B et D, il y a 10. Entre A et C, il y a 10 aussi. Puisque c'est exactement. C'est un rectangle. Et c'est un angle droit. Donc, c'est forcément 10. C'est forcément 10. On va mettre 10. C'est forcément 10, du coup, si on réfléchit bien. Eh oui, c'est ça. Suffisait pas de réfléchir très longtemps. C'était logique.
Le segment A et C est la diagonale du rectangle. Sa longueur est donc exactement la même que celle de l'autre diagonale, le segment BD. Or, le segment BD correspond au rayon du cercle. Dès lors, il ne reste plus qu'à additionner 5 et 5. Voilà, c'était logique. Eh bien, on peut dire que vous méritez votre réputation, professeur. Toutes mes excuses pour avoir douté de vous. Vous êtes vraiment doué pour les énigmes. Un homme de rang inférieur serait jaloux de votre compétence. Quoi qu'il en soit, Dahlia ne pense qu'à Claudia en ce moment. Vous devriez faire ce qu'elle vous dit. Même si ses exigences peuvent paraître absurdes. Pas une petite pièce là dans les cadres ou... Non, mais non, je voulais pas reparler à lui. Loul. Vous êtes encore là? Quand allons-nous enfin parler de l'héritage? Ah si, voilà, il y a bien une petite pièce. Tiens, on va parler à Matthew. Madame, qu'y a-t-il? Que s'est-il passé? Ma petite Claudia a eu peur et s'est enfuie. Ne l'avez-vous pas vue courir? Je ne crois pas l'avoir vue. Je suis vraiment confus, madame. Oh, une telle incompétence aura raison de moi. Professeur, avez-vous remarqué par où ma douceur était partie? Votre douceur? Si vous parlez de ce chat blanc, je l'ai vu sortir par là il y a un instant. Comment? Et vous êtes resté là à le regarder sans fuir? Sans rien faire pour l'arrêter? Eh bien, c'est un animal. Les animaux ont parfois besoin de... Idiot! Ce n'est pas un vulgaire animal! Elle a un nom! Elle s'appelle Claudia Reynolds! C'est une délicate petite fleur! Qui sait ce qui peut lui arriver si je ne suis pas là pour la protéger? Matthew! Vous devez retrouver Claudia et la ramener ici aussitôt! Madame, si je puis me permettre, nous devions parler de ce problème d'héritage. Cela attendra. Ne voyez-vous donc pas la gravité de la situation? Vous auriez pu l'arrêter, vous n'avez rien fait. Il est donc de votre devoir de retrouver Claudia. Envoyer le professeur à la recherche d'un stupide chat? Quel culot! Pour qui vous vous prenez? Ce n'est rien, Luc. Madame la baronne a raison. Nous n'avons rien fait pour arrêter Claudia. Madame, veuillez nous excuser, nous avons un chat à retrouver. Merci, mais faites vite, je vous en prie. Ma petite Claudia est si fragile. Qui sait ce qui pourrait lui arriver dehors? Chapitre 2, félin en fuite. Le chat de la baronne s'est échappé, fouillez le village et retrouvez-le. Non, on va pas sauvegarder. Trouvez Claudia. Bon, on va essayer. Que faites-vous encore ici? Ma chère Claudia a besoin d'aide, vous devez la trouver et la ramener. Oui, oui, on y va. Calmez-vous, madame, on y va. Matthew, tu n'as rien à me dire? Toutes mes excuses, monsieur. Je vais moi-même chercher dans l'ensemble de la propriété. Je m'en veux de vous le demander, mais pourriez-vous chercher Claudia dans le village? Ne vous inquiétez pas, nous allons nous en charger. Ah bah la voilà! Elle était juste dans le jardin. Professeur, la voilà! Mince, elle s'est enfuie. Nous ne pouvons pas en rester là. Allez Luc, partons à sa poursuite. Ah bon sang, ça brûle! On dirait que le moteur est fichu. Alors voilà sa mystère. Lieu de résidence de feu, le célèbre baron Augustus Reynolds. Je me demande quel genre de piège ce vieux fou a mis au point avant de passer l'arme à gauche. L'étonne, à nous deux, espèce de dandy ridicule. Le trésor sera à moi. Ah, apparemment, on n'est pas tout seul sur le coup. Hein. Bon, l'énigme 8, là, elle est pas là. Sérieusement? Bon... Bon, tant pis. Allez, on repart. Ah, de retour? Oh, c'est vous, monsieur. Appelez-moi Ramon, n'est-ce pas? En quoi puis-je vous aider? Voyez-vous, cher Ramon, le chat de la baronne s'est échappé. L'avez-vous vu par ici? Vous parlez de cette chère Claudia? Je crois l'avoir vu courir vers le village il y a quelques minutes. C'est vraiment dommage qu'il n'ait rien fait pour l'arrêter. Au moins, il est parti vers le village, c'est déjà ça.
Allez, on va s'arrêter là, je vois qu'on a passé le cap des 30 minutes, ce qui est parfait, on va pouvoir s'arrêter ici pour cet épisode. Allez, donc c'était Top Top donc pour cette deuxième partie sur le let's play du Professeur Layton et l'étrange village. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, eh bien, on continuera notre aventure en cherchant cette fameuse Claudia. Et en attendant, bah moi je vous dis... à la prochaine tout le monde !